Alléluia. Que Dieu s'assoie dans la présence du Seigneur. Soyez bénis. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui tient à cœur au Seigneur. Parce que c'est très important. Et cela concerne le salut des âmes. Ça concerne ce que Dieu a tracé comme plan depuis qu'il est revenu, ou qu'il s'est révélé à nouveau à l'homme, à la personne de Jésus-Christ. Il s'était révélé une première fois à un peuple, Israël, au travers de son serviteur Moïse, et cette fois-ci, il est revenu en personne, sous la forme humaine, pour se révéler encore à l'humanité. Il reviendra une troisième fois, cette fois-ci, pour mener le combat, pour établir son règne sur la terre. Et bien avant ça, il y a l'événement très important pour tous les chrétiens, qui est l'enlèvement de l'Église. Et c'est à ça que chacun de nous doit vraiment se préparer. Parce qu'on ne connaît pas le moment, on ne sait pas le jour ni l'heure. Mais le second retour sera marqué par l'apparition visible du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Et la Bible dit que même ceux qui l'ont percé le verront. Et l'enlèvement, c'est ceux qui seront qualifiés qui vont rencontrer le Seigneur dans les airs. Le Seigneur ne va pas se montrer à tout le monde, il va se montrer seulement à ceux qui seront enlevés et qui vont le retrouver dans les airs. C'est eux qui le feront. Alléluia. Bien aimé, il y a urgence dans le ciel. Il y a avec moi urgence dans le ciel. Urgence dans le ciel en ce sens que l'Éternel, notre Dieu, pleure. Alléluia. On va prendre le livre de Luc 15, verset 4 à 10. Luc 15, verset 4 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, et laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'a trouvée. Jusqu'à ce qu'il la retrouve, excusez-moi. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Alléluia, parole du Seigneur. Pourquoi le Seigneur dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, et non pas pour deux, pour trois ou pour quatre, mais pour un seul? C'est parce que les statistiques sont effrayantes. Les chiffres sont alarmants. Si on nous donne les chiffres, les statistiques du ciel et de l'enfer, je vous assure, nous n'allons plus dormir. Alléluia. Les temps sont mauvais. Urgence dans le ciel. Tel est le thème de notre prédication de ce jour. Urgence dans le ciel. Les chiffres sont alarmants. Dieu pleure. Dis avec moi, Dieu pleure. Ça t'étonne d'entendre ça. Mais Dieu pleure. Le Seigneur coule des larmes. Chaque jour qui se fait, Dieu pleure.
De la même manière que toi tu pleures, si Dieu t'a créé à son image, ça veut dire que Dieu aussi pleure. Alléluia. Mais ces larmes ne sont pas nos larmes. Ces larmes ne sont pas pareilles que pour nous. Pendant que je parle, le Seigneur Jésus est assis sur son trône. Et il a la main tendue comme ça. À toute l'humanité. Mais beaucoup rejettent. Beaucoup rejettent. Même ils sont dans l'église, ils sont dans la sainte doctrine, ils rejettent la main aussi. Par leur comportement, par leur vie. Et le Seigneur pleure. C'est là où. C'est là où. Ce message, c'est pour interpeller tout enfant de Dieu. C'est pour interpeller toute créature de Dieu. Parce que les chiffres sont alarmants. Il y a urgence dans le ciel. Il y a une urgence pour le ciel. Pourquoi Dieu dit pour un seul pécheur, il y a la joie? Normalement, tu as eu un. Tu vas chercher à avoir deux, trois ou mille. Ça va dire des mille. Ah, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai beaucoup eu. Mais Dieu dit, je veux un seulement. Si un seulement arrive à rentrer au ciel, c'est la joie. Pourquoi Dieu dit ça? Alléluia. Le Seigneur Jésus a mal. Et son cœur est serré dans sa poitrine. Rempli de chagrin et de douleur. Je veux que tu sois en esprit pendant le message. Parce qu'il y a certaines personnes que le Seigneur va faire ressentir cette douleur. Tu ne vas plus jouer avec son œuvre. Le Dieu Tout-Puissant qui est capable d'écraser la terre à une fraction de seconde pleure. Mais quand on pleure sur quelque chose, ou quand on pleure pour quelque chose, c'est parce que on aime profondément la chose. C'est pourquoi on pleure. Sinon, pour ce que je n'aime pas, je ne vais pas couler des larmes. La personne pour qui je n'aime pas, que je n'aime pas, excusez-moi, je ne vais pas couler des larmes pour cette personne. Mais Dieu pleure à cause de son grand amour. Un amour immense que l'océan. Un amour immense que l'univers. Dieu pleure pour nous les hommes. Parce que les chiffres sont effrayants. Parce que les chiffres sont alarmants. Ça ne va pas. Malgré tout ce que le Seigneur a déployé comme stratégie, comme arme, comme programme de salut, les chiffres sont alarmants. Et Dieu pleure. Dieu pleure. Bien-aimé. C'est alarmant, ces chiffres sont alarmants, ce qui concerne ceux qui vont, ceux qui meurent. Et leur destination après la mort. Voilà pourquoi on dit que ces chiffres sont alarmants. Parce que le péché s'est accru et a rempli toute la terre. Aujourd'hui, il est très difficile de se sanctifier de plus en plus. Il est très difficile de rester fidèle à la parole de Dieu. Il est très difficile de garder l'enseignement. Il est très difficile. Et ce qui est pire, c'est que c'est les chrétiens même qui se rébellent à la parole de Dieu. Le païen, sans savoir, sans connaître la loi de Dieu, applique naturellement la loi de Dieu, sans même qu'il ne sache qu'il applique la loi de Dieu. Mais le chrétien qui connaît la parole, c'est celui-là même qui se rebelle contre Dieu. Pourtant, il connaît la vérité. Jusqu'à quand le Seigneur va te parler? Jusqu'à quand le Seigneur va t'interpeller? C'est ta manière de marcher. Tout ce qui a été écrit dans la Bible, comme l'histoire du peuple d'Israël, c'est en guise de témoignage. En guise de témoignage, pour que ça nous serve de leçon. Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, de peur que Dieu nous frappe. Jusqu'à quand Dieu va t'interpeller. Jusqu'à quand tu vas résister par ta manière de vivre à la voix de l'Éternel. Et avec ça, tu vas aller au ciel. Avec ça, tu espères être enlevé. Avec cette façon de faire avec Dieu, tu espères aussi avoir part au royaume. Ce n'est pas possible.
Le salut se prépare ici sur la terre. Le salut se vit ici sur la terre d'abord. Avant d'aller concrétiser ça de l'autre côté. Mais si, étant sur la terre, tu n'as pas pu faire asseoir ton salut ou maîtriser ton salut ou obtenir ton salut, ce n'est pas après la mort que tu vas obtenir ça. Alléluia. Parce que le monde entier consomme le mal de plus en plus. Aujourd'hui, ce qui est bon, on dit c'est mauvais. Et ce qui est mauvais, on dit c'est bon. Tout a été renversé par le diable. Et nous, enfants de Dieu, qui sommes censés donner l'exemple, nous aussi nous suivons la tendance du monde. Moi, j'ai toujours dit, avant d'aller parler chez les païens, on va parler d'abord chez les chrétiens. Là, si chez toi est propre, tu pourras aller parler chez les païens. Si tu es quitté dans le mensonge, tu pourras aller dire aux païens, il ne faut pas mentir, ne pas voir. Si tu es quitté dans la colère, tu pourras aller dire aux païens, il ne faut pas être en colère, ce n'est pas bon. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. On va prendre Genèse 18, verset 20. Genèse 18, verset 20. Le Seigneur Jésus pleure. Coule des larmes à longueur de journée. Chaque jour, ses yeux ne peuvent pas supporter ce qu'il voit. Toi, au moins, il a fermé tes yeux spirituels. Mais lui, il voit tout. Genèse 18, verset 20. Genèse 18, verset 20. Oui. Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit. Le cri contre Sodome et Gomorrhe. Le cri contre Sodome et Gomorrhe. C'est accru. Et leur péché est énorme. Le Seigneur dit. Sodome et Gomorrhe, ils faisaient des pratiques abominables. Des pratiques contre nature. Il y avait le désordre là-bas. Il y avait la méchanceté là-bas. Il y avait. C'est-à-dire, le cœur de l'homme s'est transformé au cœur d'un animal, au cœur d'une bête. Ils n'avaient plus l'esprit de Dieu. Ils n'avaient plus la crainte de Dieu. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ils vivaient à la tendance du monde des ténèbres. Donc, le Seigneur dit, quand j'ai regardé Sodome et Gomorrhe, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pareil aujourd'hui sur la terre. Le Seigneur me dit que les péchés de la terre sont énormes. Le cri de la terre, des abominations qui sont commises sur la terre, des choses vraiment inimaginables, anti-Dieu, anti-Christ, anti-public, qui sont pratiquées sur la terre. Le Seigneur dit, ça s'est accru. Voilà l'état du monde dans lequel nous nous trouvons. Voilà l'état du monde dans lequel nous sommes. Toi, quelle est ta position? Une chance dans le ciel. Matthieu 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que le mal va s'accroître. Parce que la méchanceté des hommes, la méchanceté sur la terre va s'accroître. Que l'amour du plus grand nombre, l'amour, le fait même d'aider quelqu'un aujourd'hui, tu le péchais à mille fois avant de faire. Parce que tu as été blessé. Parce qu'ils t'ont frustré. Parce que lorsque tu as donné en retour, c'est le mal qu'ils t'ont fait. Donc, tellement ça s'en va de mal en pire, l'amour de plus grand nombre. Aujourd'hui, pour aider un frère, pour venir en aide à quelqu'un, pour soutenir quelqu'un, même dans le milieu chrétien, c'est difficile. À cause de la méchanceté des hommes, à cause de la méchanceté qui a rempli les cœurs, à la place de l'amour. Donc, ceux qui avaient l'amour et qui étaient prêts à aider, l'amour a commencé à se refroidir à cause de cette iniquité, à cause de ce mal. Donc c'est difficile. Et c'est dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. L'ennemi a mis plusieurs barrières pour empêcher les enfants de Dieu d'accéder au ciel. Si tu n'es pas conscient de ça, je suis désolé pour toi qui n'as rien compris.
Parce que si tu es conscient de ça, tu vas aménager ta vie, une chance dans le ciel. Ce n'est pas que c'est impossible d'entrer au ciel. Non, 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 non. Parce que Jésus est le chemin. Si tu as Jésus, tu as déjà sur le chemin du ciel. Jésus a déjà tracé le chemin par le ciel. Le Seigneur Jésus a déjà ouvert la porte du ciel pour quiconque croit. Mais c'est difficile à cause des barrières que le diable a mis sur le chemin. C'est à cause de ça que c'est difficile. C'est pourquoi Dieu nous demande de lutter. Il nous demande de lutter. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. C'est écrit dans le livre des Hébreux. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Pourquoi Dieu dit de lutter? Pourquoi dans le livre d'Apocalypse, la lettre adressée aux sept églises, Dieu dit toujours, à la fin, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Pourquoi? Mais avant de vaincre, qu'est-ce qui doit se passer? Avant de vaincre, il y a une bataille que tu dois mener. Soit tu es vaincu, ou bien soit tu gagnes la bataille. Il n'a pas dit à celui qui est vaincu. Hein? Il n'a pas dit à celui qui est vaincu, je vais donner la couronne de vie. Il n'a pas dit à celui qui est vaincu, je vais faire de lui un pilier dans le paradis. Il n'a pas dit que à celui qui est vaincu, je vais donner l'arbre de vie. Hein? Il dit à celui qui vaincra. Au ciel, je vais lui donner l'arbre de vie. Il va manger. Je vais écrire son nom dans mon livre. Je vais donner un nom nouveau que lui seul connaît. Mais avant de vaincre, il y a une bataille. Ça peut dire lutter, résister. C'est parce qu'il y a un acharnement contre toi, que le diable manifeste pour t'emmener en enfer. Il dit résister. Résister. Alléluia. Mais il y a beaucoup de pièges pour tromper les enfants de Dieu et les pousser à aller contre la volonté de Dieu. C'est là l'une des stratégies de Satan. Alléluia. Et ce qui est un peu pathétique, ce qui est un peu inquiétant, c'est que tu peux ne pas faire la volonté de Dieu sans savoir que tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Ça, c'est le diable qui fait ça. Tu peux ne pas faire la volonté de Dieu sans même que toi-même tu saches que tu ne fais plus la volonté de Dieu. Faisons très attention à l'ennemi. Il n'est pas à notre égard. La Bible dit qu'il est le malin. Chaque fois, tu dois creuser, fouiller. Tu dois rechercher et obtenir le discernement. Sinon, il va faire apparaître la lumière, mais c'est une fausse lumière. Peut te tromper. Toi, tu penses que tu es toujours sur la voie, mais en réalité, tu as quitté la voie il y a très longtemps. Une chance dans le ciel. Alléluia. C'est ce qui rend tous ces pièges-là. C'est ce qui rend l'accès au ciel difficile de nos jours. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Toi, tu n'as pas encore compris ça. Tu joues à ta vie. Tu n'as même pas encore compris ça. Ta vie de cet été ne te dit rien. Reste dedans. Alléluia. Donc, on va prendre Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu chapitre 7, verset 21. Il y a une condition par le ciel. Une condition. Matthieu 7, 21. Matthieu chapitre 7, 21. Oui. Ceux qui me disent. Ceux qui me disent. Seigneur. 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 Ah. N'entreront pas tous. Écoute bien. Regarde. Dans le royaume des cieux. Quand on se retrouve ici, nous tous, avant de prier, on dit Seigneur. Il te dit merci. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, il y a bien ta présence. Nous avons dit Seigneur. Nous tous, on dit Seigneur. Mais ce n'est pas parce que tu dis Seigneur que tu es qualifié pour le ciel.
C'est pas parce que tu dis Seigneur que toi, c'est déjà assuré pour toi. La parole nous dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Elle dit, ce n'est pas tous qui vont rentrer. Parmi eux, d'autres vont rentrer, d'autres ne vont pas rentrer au ciel. Mais celui qui va rentrer au ciel, voici la condition. C'est laquelle? Même celui-là qui fait, celui-là seul, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est aussi clair que pour vous. Tu ne fais pas la volonté de Dieu, faut dire Seigneur matin jusqu'au soir. Tu as envie pour l'enfer. Beaucoup jouent avec ça. Ils pensent qu'une fois qu'on est chrétien, on s'est dépouillé, le Seigneur est dans notre poche. Toi, tu peux mettre Dieu dans ta poche. Le grand Dieu tout puissant. Tu peux le mettre dans ta poche. Tu dis que le Seigneur a gagné, il est déjà avec moi. Qui t'a dit ça? Il est avec toi quand tu fais sa volonté. Il est avec toi quand tu écoutes ce qu'il te dit. Il est avec toi quand tu fais ce qu'il te demande. C'est ça Dieu avec toi. Sinon, tu dis Seigneur, Seigneur, et puis ta vie est détente. Hein? Ta vie est inzassa, mélangée. Et puis tu dis Dieu avec moi. Moi aussi je vais au ciel. Faut oublier! Je viens te réveiller, toi qui dors dans ça. Dieu n'est pas ton camarade. Le Seigneur Jésus n'est pas. Elle dit, la plante de son pied là, on ne peut pas arriver là-bas. Donc faisons attention. Ah, je me suis débrouillé. Je vais à l'église. Je suis chrétien, donc c'est fini. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que ce que tu as dit là, c'est ce que tu accomplis? Le Seigneur doit être vigilant lorsque la parole parle pour ceux qui dorment. Est-ce que c'est ce que Dieu dit que tu fais? Alléluia. Donc si tu veux entrer au ciel, il y a cette condition. La condition, c'est que tu fasses la volonté de Dieu. Parce que beaucoup aujourd'hui n'ont plus la crainte de Dieu. Beaucoup se conforment au monde. Ils sont chrétiens dépouillés. Ils se conforment encore au monde et à ses plaisirs. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils aiment satisfaire leur chair plutôt que de satisfaire l'esprit de Dieu. Alléluia. Les chrétiens qui sont censés donner l'exemple aussi et conduire les âmes à Jésus sont aussi emballés dans ce train de vie. Ils sont aussi emballés dans ce train à grande vitesse. Le train à grande vitesse en direction de l'enfer. Matthieu 5, 13 à 14. Urgence dans le ciel. Matthieu chapitre 6, verset 13 à 14. Oui. Vous êtes le sel de la terre. Écoute bien, tu es le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, si tu as perdu la saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Tu deviens comme de l'eau. Est-ce que l'eau a goût? L'eau n'est pas sucrée, c'est pas salé. Il n'y a pas de goût. Donc il faut prendre beaucoup d'eau, prépare la sauce. Tant que tu n'as pas mis le sel dedans, tu ne peux pas manger. Donc tu es le sel, tu es l'exemple, tu es le modèle. Tu es celui-ci qui Jésus-Christ compte pour amener les âmes à lui. Qu'est-ce que tu fais? Pose la question à ton voisin. Tu fais quoi? Alléluia. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Mais quelque chose qui donne plus goût à la sauce, je fais, ça fait mal dans ma cuisine. C'est à la poubelle. Jette ça dans la poubelle. C'est là-bas son sort. C'est là-bas sa destination. Tu n'es plus utile entre les mains du Seigneur. Allez dans le feu. Tu n'es pas utile entre les mains du Seigneur dans le feu. Clair comme de l'eau des roches. Oui. Et foulé au pied par les hommes. Voilà, on t'écrase comme ça. Écrase. Le verset 14. Oui. Vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière. Est-ce que si on avait éteint toutes les ampoules, on pouvait bien voir?
Mais la lumière est là pour éclairer toute la salle. Pour qu'on puisse être en mesure de lire. Parce que le ciel s'est assombri, il a commencé à pleuvoir ce matin. Mais toi qui es la lumière, est-ce qu'une lumière ténèbre peut envahir? Si ténèbre envahit la lumière, ben elle n'est plus lumière. Dis à ton mari, tu fais quoi encore dans ces choses du monde là? Tu fais quoi encore dans ce vieux caractère là? Faut dire que tu es attiré par quoi même dans ce monde? On te parle du ciel, toi tu es encore dans le monde. Faut qu'il te dedans. Connais qui est dedans la foi laissée. Caronie qui est dedans la foi laissée. Convertis qui est dedans la abandonne. Parce que ça ne peut pas te sauver. La fidélité, c'est la mort. Ta chair la tremble comme ça devant le péché. Et tu te dis que tu es dans la sainte doctrine. Tu veux mourir. Pourquoi tu n'arrives pas à maîtriser ta chair, résister devant le péché? Et puis tu livres ton corps, tu livres ta pensée, tu livres ta bouche, tu livres ton cœur, tu livres tes yeux, tes oreilles, tu livres tes mains, tes pieds, comme instrument de péché et non instrument de justice. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention. On ne se moque pas de Dieu. On ne s'amuse pas avec le Seigneur. Alléluia. Les chiffres sont à la main. Je vais parler pour donner un peu un aperçu de ce qui se passe, des statistiques, de ce qui se passe chaque jour, chaque seconde. Pendant que nous parlons, des gens sont en train de mourir. Des gens sont en train de quitter ce monde. Pour certains, ils ont été surpris. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils s'est levé ce matin, ils pensaient que ça allait être la même chose. Mais la mort l'a surpris à l'instant, la minute, la seconde où je parle. Il ne savait même pas. Il a dit au revoir. Il n'est plus rentré. Il est mort. Il y a des millions de personnes qui meurent par seconde. Dans le monde entier. Dans ces millions-là, est-ce que tu t'es posé la question? Mais tu pouvais être dedans. Faut dire dans ces millions, tu dis, ah, mais dans ces millions qui meurent par seconde-là, moi aussi je pouvais être dedans. Mais tu t'es posé la question, est-ce que c'est tous ces millions-là qui rentrent au ciel? Je peux te dire, hein, les chiffres sont alarmants. Parce que ceux qui vont au ciel après la mort sont en très petit nombre de ceux qui vont en enfer. Et on va voir ça tout à l'heure. La parole de Dieu parle de ça. Clairement, en fait, ça, camion belle vers ça, tu entends le bruit, ça fait vous, 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 vous. C'est comme ça, chaque jour, ceux qui descendent en enfer. C'est comme, tellement pas les voir, on voit comme ça, les graines de ça. Imagine, on va verser peut-être, c'est pas comme un livre, c'est pas comme un livre. Toi, mais combien? On va verser 10 roues, camion de 10 roues, rempli de ça. Quand on va verser là, ce que tu entends, c'est le bruit. Mais imagine, graines de ça par graines. Graines, c'est le nombre de personnes. Qui descend chaque jour en enfer. C'est pourquoi je t'ai dit que le Seigneur pleure. Alléluia. Faut prendre Matthieu, Esaïe 5, verset 14. Tu vas voir ce que dit la parole. Esaïe 5, verset 14. Esaïe chapitre 5, verset 14. Oui. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche. On dit le séjour des morts ouvre sa bouche. Élargit sa gueule. Outre mesure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesure. C'est ouvert comme ça. L'enfer est ouvert. Le séjour des morts est ouvert. Et chaque vie s'élargit. Il est comme caoutchouc. Il s'élargit pour partir. Au fur et à mesure que les gens tombent là-bas. Au fur et à mesure que les gens sont perdus dans le feu. Il s'élargit pour partir. Alors descend la magnificence. Descend la magnificence.
et la richesse de Sion. Et la richesse de Sion. Et sa foule, bruyante. Sa foule bruyante. Et joyeuse. Et joyeuse. Le témoignage de Linda, elle a expérimenté ce bruit-là. Ça crie. Donc quand ça crie, quand ça fait une harmonie comme chanson. Ça crie. Wow, lui, ça t'en a pas ça. Il meurt quand il est jeté là-bas. Il va crier. Ça crie. Donc c'est cette foule bruyante. Bruyante là. C'est ça que le Seigneur parle dans sa part. Urgence dans le ciel. Le serviteur de moi élargit sa bouche. Il élargit son bouche. Parce que chaque jour, c'est des millions d'âmes qu'il reçoit. Des millions d'âmes. J'ai pris les âmes d'un million de personnes qui meurent par minute. Si un million, ça c'est de façon approximative, il peut y avoir seulement peut-être 10 ou 5 qui vont au ciel. Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Si 1 million, 5 ou 10, ils sont qualifiés pour entrer. Il faut jouer encore ta vie. S'il est venu, sur la terre verser son sang, il sait que le diable a mis beaucoup de choses pour nous empêcher de partir. Il sait pourquoi il est lui-même élevé, se sacrifie. Il sait. Il n'est pas bête. Le Seigneur Jésus. Il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui n'est pas sage, il est très sage. Si un million de personnes, 5 ou 10, et les 900 et quelques allemands, je ne dis pas ça pour te décourager, je dis ça pour que tu sois en éveil maximal, 24 heures sur 24, 7, je suis 7. 12 mois sur 12, 1 an sur 1. Tu sois en éveil par rapport à la parole de Dieu. Tu sois en éveil par rapport à la vie de sainteté. Tu sois en éveil par rapport à la vie de justice. Tu sois en éveil par rapport à la vie de vérité et d'amour. Les chiffres sont à la main. C'est pourquoi il y a une chance dans le ciel. Parce que des maisons sont vides là-bas. Dieu prépare les maisons pour les personnes, mais c'est vide. Ceux qui sont censés habiter, c'est le tout de l'autre côté. Ils sont quittés au ciel, ils ne retournent plus à la maison, ils vont ailleurs. L'enfer. Oh, nous venons du ciel, nous devons retourner au ciel. Chacun de nous quitte au ciel. Il n'y a pas un démon en chair ici. Tout le monde est né normalement de Dieu. On est venu sur la terre, on retourne au ciel. Mais d'autres ne retrouvent plus le chemin. Parce qu'ils ont suivi un autre maître qui n'est pas leur maître. Et ils ont eu la récompense de ce maître-là, l'enfer. En enfer, les démons vont te torturer, ils vont te rappeler tout ce que l'on t'enseigne. Ils vont te prêcher la parole. Mais la parole qu'on te prêcher ne peut pas te sauver. C'est au contraire pour te faire mal. Et pour justifier toutes les tortures qu'ils vont te faire subir. C'est pas la parole. Même en enfer, la parole de Dieu s'accomplit. On te dit, on te traite comme ça parce que la parole de Dieu dit ça. Donc voilà pourquoi tu fais ça. Tu as fait ça sur la terre, non? Et beaucoup vont en enfer, même des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des servants de Dieu, par ignorance, par négligence. Ils ont négligé la parole, ils ont entendu le message. Ils ont négligé. Ou bien ils n'ont jamais entendu du tout. Mais Dieu ne regarde pas ça. La parole de Dieu, c'est la parole. Dieu ne va jamais laisser quelqu'un. Ou bien il ne va jamais laisser sa parole pour quelqu'un. Donc arrange-toi. La personne avec qui tu es camarade là, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ton frère, ni ta soeur qui est à côté. Mais il faut être ami à la parole. Parce que c'est elle qui va te dire, ah, tu es bon. Ou bien tu n'es pas bon. C'est elle qui va te dire, tu peux entrer, mais tu peux entrer. Au commencement, la parole. Et à la fin aussi, la parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne seront pas. C'est clair. Donc, il faut être ami à la parole de Dieu. Parce que si tu es ami à la parole de Dieu, tu es ami à Jésus. Au lieu de chercher l'approbation des hommes de Dieu, de chercher l'approbation des servants de Dieu,
chaque oiseau des gens dans l'église là. Vraiment, tu es le plus malheureux de la terre si tu fais ça. Il a fait, l'homme de Dieu là, il voit un bibre. Il va m'apprécier. Toi, tu parles de quoi? Il fait, la soeur là, elle va m'apprécier. Mais les gens de l'église là, ils vont m'apprécier. Dis-moi, tu as vécu. Tu n'as rien compris. Alléluia. Faut être ami avec celui-là. Voilà celui avec lequel tu dois être ami. Faut t'entendre avec lui. Voici le juge qui est là. Attends. Entre Satan avec l'avocat et puis Satan avec le juge. Toi, tu devrais quoi? Le juge, c'est lui qui prononce. Donc, faut t'entendre avec le juge de l'humanité. Voici le juge de l'humanité. Je vais présenter ça à tout le monde entier. Voici le juge de l'humanité. Voici le juge. C'est tel que là. Madame la juge. La parole de Dieu. Tu n'es pas camarade avec elle, tu es foutu. Elle va te condamner. Elle va te condamner. Voici le juge. Père du monde entier, je vous présente le juge de l'humanité. Si tu crois à un pasteur, tu crois à un homme de Dieu, à une servante de Dieu, à une prophétie, sans être ami au juge de l'humanité, vraiment, je ne donne pas cher pour ta peau. Alléluia. Mieux vaut plaire au juge. Mieux vaut plaire au juge. Sois ami à la parole. Quand tu as mis à la parole, la Bible dit, le Seigneur a dit dans Jean chapitre 12, il dit, ce n'est pas moi, Yahweh, je le juge. Mais la parole qui sort de moi, la parole que j'annonce, c'est elle qui va vous juger au dernier jour. Si tu n'as pas compris ça, c'est que vraiment, tu avais la possibilité d'aller au ciel, c'est entre tes mains. Le royaume de Dieu s'est déplacé sous forme d'écriture, vous s'est déposé entre tes mains. C'est dans ta chambre, c'est dans ton sac, c'est partout avec toi. Mais tu as négligé. Et puis, vieux, tu as rappelé l'objectif. On va passer examen en même Pécha entre tes mains. Et puis, c'est quelqu'un qui a encore écrit Pécha pour te dormir. Hein? Tu fais Pécha là, et puis tu as dit que tu es trop intelligent, tu vas faire toi-même tes propres tu vas répondre aux questions toi-même. Mais le pétrole est devant toi. Le pétrole est là. Regarde et puis écris, réponds à l'exercice. On dit derrière seulement, et puis il faut appliquer. C'est tout. Mais tu dis non, toi t'es toi déjà, tu es trop juste, tu fais. Et puis maintenant, à la fin, tu as zéro, n'est pas admis. Pourtant, on t'avait donné comment il faut faire pour réussir à l'examen. Voici ça, la parole. Si tu n'es pas admis à la parole, il ne sait pas pourquoi tu es devenu chrétien. Je répète, si tu n'es pas admis à la parole de Dieu, si tu n'es pas admis à la parole, tu ne cherches pas à te conformer à la parole, je ne sais pas pourquoi, tu es devenu chrétien. Faut continuer à plaire aux hommes. Continue. Comme c'est eux qui vont te juger, faut continuer. Et ta récompense est là. Une récompense toute assaisonnée de piment, de sel. Bien pimenté pour te donner. Alléluia. Comme on le dit encore, tu vois ici, tu vas lire l'œil. Gloire à Jésus. Urgence dans le ciel. Matthieu 7, verset 13 à 14. Matthieu 7, 13 à 14. Matthieu 7, verset 13 à 14. Oui. Entrez par la porte étroite. Le conseil que le Seigneur Jésus donne, il dit d'entrer par la porte étroite. Car large est la porte. Large est la porte. Spacieux est le chemin. Le chemin que tu prends, qui est large, qui est bien orné, c'est carrelé, boutonné, lumière de siffleur à gauche, à droite. Faut prendre ça seulement. Tu vas voir ça, amen.
qui mène à la perdition. Ça mène à la perdition. Ça mène à la mort. Ce qui semble être parfait, joli, et puis tout le monde est dedans là, ça mène à l'enfer. Je l'ai dit à l'image du Paul. Si je cherchais à être plaire aux hommes, il n'y allait pas être ici. Je vous l'avais dit. Si je cherchais l'approbation des hommes, je n'allais pas me tenir là. Qui est l'homme devant moi? Un vent va venir, il te parle, c'est fini. C'est qui? Qui est l'homme devant toi? Mais Jésus est tout. L'homme te dit, oh, je t'ai rejeté, je ne suis pas clair, parce que je t'ai vu, puis tu fais funérailles. Tu es avec moi, folie. 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 Le jour où Jésus dit, je ne te reconnais plus, là, tu peux pleurer, pas être seul, tu vas. Mais tant que le Seigneur, lui, qui est mort pour toi, t'a pas rejeté, que les hommes te rejettent. On te parle du PDG, puis je pense à ça. On te parle du PDG. Toi, tu traînes avec le directeur marketing. Tu fais quoi avec lui? Prends le PDG dans l'entreprise en tes mains. Alléluia. Marche avec le PDG et l'entreprise est dans ta main. Celui qui donne le ciel là, c'est avec lui que tu dois t'entendre. Mais c'est pas celui qui cherche le ciel comme toi. C'est pas celui-là qui a aussi les péchés. Lui-même qui demande pardon, c'est qui se cherche là. C'est pas lui avec qui il faut s'entendre. C'est pas qu'il faut être en guerre avec tous les hommes, non. Mais quelqu'un qui a envie de mettre les bâtons dans les roues, quelqu'un qui va venir te détourner de la voix de Dieu, c'est-à-dire qu'il va détourner ton amour, l'amour que tu dois donner à Dieu, pour envoyer ça vers lui, il faut t'éloigner de lui doucement dans la paix, sans bruit, sans parole. Très important. Alléluia. Amen. Donc le chemin qui est large, que tout le monde prend, on dit, oh, comme là-bas il y a la foule, c'est que là-bas il y a la vérité. Attention, dis avec moi, attention. Attention. C'est ce chemin-là qui mène à la pêche. La vérité ne se trouve pas dans le nombre. La vérité ne se trouve pas dans le nombre. Mais la vérité se trouve avec Dieu et dans sa parole. Donc quand tu vas voir un chemin, c'est large. Tout paraît parfait, tout paraît beau. Et puis il y a beaucoup de personnes là-bas qui disent, oh, c'est que Dieu est là-bas. Attention! Dis avec moi, prends garde à toi. Prends garde à toi. Demande au Seigneur si ce que tu vois là, il est là-bas. Si ce chemin, il est là-bas, si c'est ce chemin. Si ce chemin. Si tu as dit oui, prends-le. Si tu as dit, si dit non, rebouche le chemin. Si dit non, ensuite. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Voici ce dont je parlais, l'enfer. Beaucoup prennent ça et puis ça va, ils tombent dedans chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque année. Ça meurt. On dit beaucoup rentrent par là. Beaucoup descendent dans le séjour de mort. Beaucoup descendent dans le lieu de tourment. Ils souffrent, ils regrettent. Oh, ça m'avait dit ça. Oh, pourquoi je n'ai pas cru? Oh, pourquoi? C'est des regrets. Voici ce dont je vous parlais. Les chiffres sont à la main. Les chiffres sont à la main. J'ai écouté un témoignage d'une ancienne sataniste, il y a très longtemps, dans les années 2000, 2015-2016. Et elle dit au cours d'une réunion avec le royaume de Ténèbres, chacun vient donner son bilan. Et un démon continental, parce que le démon, il y a des niveaux. Hein. Et un démon, lui, c'est la lui, il gouverne toute l'Afrique. Il y a un, lui, c'est le monde entier. Ça dépend du niveau. Donc, elle dit, au cours de cette réunion, ils sont venus, ils ont fait chacun de son bilan. Et il y a un démon continental qui est venu. Il dit, ah, cette année, il y a 15 personnes qui ont pu entrer au ciel. Elle dit au coup de l'argent, Satan est rentré dans tous ses états. Il dit, vous voulez détruire mon royaume. Comment vous êtes arrangé pour que les 15 ans rentrent? Ce qui veut dire que pour lui, zéro. Mais tiens, il faut dormir encore, il t'encourage. Non. L'ennemi de nos âmes. La gêne là, c'est pas encore ouvert. Ouvert, pardon. Il va rentrer là-bas et puis il dit, ah, suis-moi.
tue-le dans le péché. Donc quand elle a dit ça, il dit, mais comme Pierre, qui peut sauver 15 personnes, Emma. Je ne suis pas dans le livre que personne ne rentre au ciel. Hein. C'est parce que je n'ai pas dit qu'il y a. Mais il dit normalement, de la manière les églises sont remplies, de la manière les chrétiens sont nombreux aujourd'hui là. C'est un chiffre. C'est insignifiant. Quand il y a 0,000000000000001 par rapport au nombre de personnes qui meurent chaque jour. On dit un an. Donc, le Dieu a commencé à détruire la base. C'est ce qu'elle a rendu comme témoignage. Que je vous mets en garde. Si la prochaine fois vous venez me donner un tel chiffre, vous allez voir. 15 personnes. Urgence dans le ciel. Aujourd'hui, il est difficile pour un chrétien, un enfant de Dieu, de suivre à la lettre le Seigneur Jésus. Il va commencer un peu à venir devant la vague. Le Seigneur n'était pas encore. Il repart. Si tu es dans cette vie de dents de scie, vraiment, je te demande pardon, ressaisis-toi. Le Seigneur lui veut quoi? La constance. Hein? La même, tu n'oublies pas de manger tous les jours. Pourquoi oublier de sanctifier? Chaque jour, tu manges. Quoi, tu manges? Mais ce que Dieu t'a dit, pas t'oublie. Tu mets à côté. Tu es rassasié. Et pendant ce temps, le diable travaille ta part. Notre vie chrétienne, notre vie de sainteté, doit être constante. Mais toi, tu es fort, demain tu tombes. Tu es fort, tu tombes. On appelle ça dans des cieux. Comme ça. Toi, tu es très loin du ciel. Très loin. Donc, tout ce que le Seigneur t'a enseigné depuis que tu l'as connu, depuis que tu es venu à lui, là, toi, ton rôle, là, c'est de tomber, relever. Toi, c'est ça ton rôle, ta vie de sainteté. Mais attends, tu peux faire un peu d'effort pour maintenir le niveau dans lequel Dieu te met. Les choses que tu sais déjà, les choses sur lesquelles Dieu t'interprète déjà, pourquoi tu retournes dedans? C'est ça que je parle. Sinon, il n'y a pas dit que quelqu'un va pas, son pied va coincer un caillou. Non. Mais si tu dois te tromper, s'il arrivait que tu pêches, que ce soit un péché que tu n'es même pas conscient de ça, un péché que tu ignores, mais tu ne savais pas que ça, là, c'est péché. Et puis, par inconscience, tu as connu ce péché. Là, Dieu peut te pardonner. Tu te relèves rapidement. Mais un péché que tu sais déjà, que tu connais que ça, c'est pas bon. Et puis tu t'entêtes à le faire. Rappelez-la comment? Dieu avec moi en provocation. Tu provoques Dieu. Il va te frapper. Hein? On dit manger les déchets, manger les excréments, c'est pas bon. Tu sais que manger les excréments, c'est pas bon. Hein? Et puis chaque jour, quoi, c'est toi qui manges. Quelqu'un après, on t'attrape. Non, pardonne-moi. Non, tu pleures. T'es mis encore extrêmement devant toi. C'est ta bouche. Quand le Seigneur descend, il te dit pour toi. Waouh, tu vomis, tu casses du haut. Waouh. Tu tournes jusqu'à. Tu regardes ça. Personne. Ce que tu as vomi là, tu peux encore. Waouh. Tu manges. Abat la sanctification en temps d'ici. Alléluia. Il faut t'éloigner de cette forme de sanctification. Si tu dois te tromper, si tu dois tomber, c'est que c'est un péché que tu ignores. Ou même tu as commis ça inconsciemment, sans avoir l'intention de faire. On te dit que colère n'est pas bon. N'est pas bon, pardon. Tu sais ça. Hein? C'est toi qui es là. Chaque jour, tu es quelqu'un.
Mais elle dit ton cœur va s'exprimer comme ça. Va dans tes mains. Direction l'enfer. Faites attention à la parole que nous avons reçue. La parole que nous avons reçue là. Bien aimé. Ce n'est pas de l'amusement. Parce que chacun de nous va rendre compte à Dieu. Je ne sais pas. Allez, c'est pas qu'on voit. Hein. Vous même mourir là, c'est pas qu'on voit. Tu es seul devant toi. Faut t'expliquer. Explique-toi devant Dieu. Faut t'expliquer. Alléluia. Arrête-moi ça. La séduction bat son plein, plusieurs sont pris au piège. Beaucoup de chrétiens encore dans la scène de Christos sont séduits. Ils sont séduits. Il y a quoi dans le monde? Tout ce qu'on va dire, il y a quoi là-bas? Tu ne parles pas, ça veut dire que tu es là aussi. Il y a quoi dans le monde? Il y a quoi dans le monde? Attends, ce n'est pas du monde que tu viens. Ce n'est pas du monde que Jésus t'a enlevé. Ce n'est pas du monde que le Seigneur t'a enlevé et t'a lavé. Mais pourquoi tu es encore dans, tu es dans la bergerie? Pourquoi tu es dans la maison que tu regardes encore dans la rue? Ça te plaît? Tu veux retourner là-bas? Tu dis la vérité clairement au monsieur. Ah, vraiment? C'est vrai, tu as fait des efforts, tu as dû mourir à la fois pour moi. Mais moi, je ne veux plus. Non. C'est que je ne veux aller pas. Moi, c'est le moins d'âge. Tu t'en vas tranquillement. Il ne va pas te dire quelque chose. Mais, dis avec moi, mais. Tu sais où tu t'en vas. Ah. Alléluia. Amen. Donc plusieurs sont pris au piège. Ils sont dans l'église, leur cœur est encore attiré dans les choses du monde. Ils sont dans la sainte doctrine, mais ils sont encore attirés par les plaisirs du monde, par la séduction de ce monde, par les choses du monde. Ils sont encore attirés là-bas. Dis avec moi repentance. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24. Il est au cœur. Oui. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Oui. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire. On dit au point de séduire. S'il était possible. S'il était possible. Même les élus. Les élus. Le diable s'amuse pas. Je vous demande pardon. Prenez le combat dans lequel nous sommes engagés. Le combat de la justice. Le combat pour la sainteté. Le combat pour la vérité, le combat pour l'amour, le combat pour la repentance, le combat pour le renoncement de soi. Prenez ce combat au Seigneur. Parce qu'il y a des gens dans le ciel. Combien entrent là-bas? Pourtant, on est nombreux sur la terre. On remplit les églises, les temples. Aujourd'hui, sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il ne connaît pas le nom de Jésus. Même les sorciers, même celles qui est Jésus. Là-haut, la nuit, il sort de son corps, il va adorer Dieu, son Dieu. Mais celle qui est Jésus. Au fin fond de la forêt là-bas, il sait qui est Jésus. Donc, il n'y a pas d'excuse. Il n'aura pas d'excuse ce jour-là. Quand le monsieur sera assis sur son trône blanc, il n'y a pas de négociation. Il n'y a plus pardon, il n'y a plus ça. Mon ange, regarde dans le livre. Est-ce que son nom est marqué? L'ange va fuir. L'ange fouille le livre de vie. Le gros livre fait don. Il fouille. Il fouille. Quand il fouille et puis il voit son visage commence à changer, à être tristesse, il dit patron, son nom n'est pas dedans. Tu n'as pas fini de dire ah, le vent t'a parlé pour te jeter dans le. Il dit pendant qu'on fait le jugement, tu vois le grand feu de la jette, ça est là-bas. Vagabond, comme ça, ça descend. Et puis tu entends Satan, les démons sont dans les cris. Bah, et moi, tu as pas quoi. Il crie là-bas comme ça. Et
Puis pendant que tu as dit, Seigneur, je ne savais pas, je sais, t'as dit qu'il n'y a pas ça. Wow! Donne-le pour toi, pour l'éternité. Pourtant, tu avais une occasion. Tu étais sur le chemin. Mais tu as préféré choisir Satan. Alléluia. Il faut prendre aussi Matthieu 24, verset 22 encore. Matthieu 24, verset 22. Oui. Et si ce jour n'était pas abrégé, si ce moment, ce temps-là n'était pas abrégé, si Dieu n'avait pas raccourci ça, personne ne serait sauvé. Est-ce que tu entends? Ça veut dire que plus on va avancer, si Dieu ne raccourcit pas le temps de l'enlèvement, personne. À ce moment, ça va là. Même ceux-ci qui le Seigneur compte avoir tombé, s'ils ne prennent pas garde. Mais à cause des élus, à cause de nous, ces jours seront abrégés. Ces jours seront abrégés. Alléluia. Amen. Bien aimé, les œuvres du monde sont là. Les œuvres du monde sont manifestes. Les célébrités, la gloire de ce monde, les biens matériels et terrestres pour empêcher toutes ces choses-là, pour empêcher les enfants de Dieu d'entrer au ciel. Alléluia. Et ces choses-là vont entraîner ton cœur à s'éloigner de Dieu, à ne plus suivre sa parole. Dis avec moi, qu'est-ce que tu poursuis? Quel est ton objectif? Si tu n'as pas d'objectif en venant t'asseoir ici, c'est que tu es ici pour nous accompagner. Oh, le Seigneur ne veut pas que tu viennes nous accompagner. Mais il faut que tu aies l'objectif. Et l'objectif principal, l'objectif primordial, c'est le ciel. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on doit rechercher de tout notre cœur. C'est pourquoi, quand une personne s'arrange ou qu'une âme est gagnée à Christ, qu'est-ce qui se passe? Il y a la joie. Pourquoi? Si tu as suivi tout ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que il y a un petit nombre chaque jour qui entre. On ne rentre pas comme ça. Allez, les anges, le conseil de Dieu n'est pas habitué à voir une personne rentrer comme ça, facilement. Donc quand une personne est sauvée, quand une personne est gagnée, ça célèbre la joie qui est dans le ciel. Alléluia. C'est comme tu as cherché Bac jusqu'à la fin de Bac là. Est-ce qu'on peut l'attraper? Tout Dieu dit lui-même. Qu'est-ce qui se passe? J'ai donné mon sang. J'ai envoyé ma parole. En ces derniers temps, j'ai amené des gens en enfer au ciel pour voir tout ce qui se passe. J'ai donné des révélations, des prophéties. Mais regarde. Regardez, ça meurt, mais très peu arrive ici. Et Dieu pleure. Il dit, qu'est-ce que je dois faire encore pour sauver l'homme? Le Seigneur Jésus pleure, il dit, qu'est-ce que je dois encore faire pour sauver cela? Urgence dans le ciel. Alléluia. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'il voit une personne entrer au ciel. Et ce qui est un peu difficile, c'est que les femmes sont beaucoup plus en enfer que les hommes. Et au ciel, ceux qui rentrent au ciel, les hommes sont plus nombreux que les femmes. Pourtant, quand tu rentres dans les églises, c'est les femmes qui remplissent l'église. Mais pourquoi elles ne vont pas? À cause de ce que le diable a mis des choses pour les empêcher. Comme ce que vous voyez, hein, l'habillement, la tenue vestimentaire, le maquillage et autres. Mais le cœur de la femme, vraiment, ça vacille comme ça. La femme est beaucoup émotionnelle et est beaucoup sensible, faible d'esprit. Voilà pourquoi Dieu ne confie jamais son œuvre à une femme. Depuis Genèse Apocalypse, ça n'a jamais existé. Dieu n'a jamais mis une femme au devant de son peuple pour Dieu conduit. Il a toujours eu l'homme parce que lui-même qui a créé la femme, il a croyé. Mais aujourd'hui, les gens renversent la parole et on permet à les femmes de monter à la chaîne d'enseigner dans l'église. Ils sont en train de livrer ces femmes-là en enfer.
Je vous dis la vérité. Aucune femme pasteur, selon la parole de Dieu, au ciel. C'est pas la place de la femme de monter à la chaire. C'est pas la place de la femme de venir prendre l'autorité d'enseigner dans l'assemblée des saints. Elle a un rôle à jouer, un rôle très capital à jouer dans l'église, mais sous l'autorité des ministres de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas compris ça, je suis désolé, vous n'avez plus compris encore. Alléluia. Et on prend verset, on prend parole de Dieu pour combattre Dieu. Dieu avec mon folie. Et on prend des versets, on essaie d'expliquer selon le raisonnement charnel et humain. Dieu avec moi, ça ne se fait pas. On ne peut pas contredire Dieu. La Bible ne se contredit pas. Il faut bien lire ta Bible. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser, est-ce que c'est enseigner? Prophétiser, est-ce que c'est conduire l'œuvre, conduire l'église? Avoir des visions. Est-ce que c'est conduire le peuple? Ah! Et en passant, justifie, la femme monte à la chair. Femme pasteur qui monte à la chair et qui prend autorité dans l'église de Dieu, réponds-toi. Sinon, je ne donne pas cher pour ta peau. Le diable te trompe. Va prier encore. Va demander encore au Seigneur ce qu'il attend de toi. Qu'est-ce que tu dois faire dans sa maison? D'autres disent que il arrive souvent, on empêche les femmes d'œuvrer dans la maison. Qui a empêché qui? N'est-ce pas déjà, on a empêché comment ici? Alléluia. Non! Mais le rôle que les femmes jouent dans les coulisses, là, c'est plus dangereux que quand on te montre à la caméra. Parce que ce qu'elles font, ce que le Seigneur les utilise à faire, c'est vraiment puissant et terriblement délicat. La femme a son rôle à jouer dans l'église. La femme a son importance dans l'église. On ne combat pas un ministère des femmes. Mais l'autorité, là, c'est pour cachons. Il faut laisser ça, dire qu'on laisse ça. Retourne dans la cuisine un peu. Retourne dans l'intercession. Retourne dans l'évangélisation. Retourne à l'exhortation. C'est là-bas ta place. Sous l'autorité d'un ministre. Mais ta place, ce n'est pas sur la chaîne. Et beaucoup sont en enfer. Beaucoup sont en enfer. Alléluia. Donc le Seigneur, les brebis qui s'égarent ne sont pas seulement ceux de la bergerie, ceux qui sont dans la maison de Dieu, mais c'est tous ceux-là qui n'ont pas encore entendu la parole, qui ne sont pas encore entrés. Donc dans la maison, là, on s'égare. Ceux qui sont en dehors de la maison, aussi s'égarent. Qu'est-ce que Dieu va faire? Alléluia. Jean 10, verset 16. Parce que toutes ces brebis qui sont égarées, mais qui s'égarent là, Dieu nous envoie aller les chercher. Alléluia. Amen. Dieu nous envoie aller partout chercher ses enfants. Jean 10, verset 16. Oui. J'ai encore d'autres brebis. Il dit, j'ai encore d'autres brebis. Qui ne sont pas de cette bergerie. Qui ne sont pas de cette bergerie. Il dit que le Seigneur dit, écoute-moi bien, Église. Il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas encore ici, qui sont dans le monde, qui sont dans la drogue, qui sont dans la masturbation, qui sont dans le vol, qui sont dans la prostitution, qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans la franc-maçonnerie. D'autres brebis qui sont encore là-bas, mais qui ne sont pas encore ici. Oui, celles-là, oui, il faut que je les amène. Il dit, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau. Il y aura un seul troupeau. Un seul berger. Un seul berger. Alléluia. Amen. La Bible dit, elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau. Il n'y aura pas deux. Il n'y aura pas trois. Mais il y aura un seul troupeau. Un seul berger. Alléluia. Parce qu'il y a les brebis du Seigneur qui ne sont pas encore de la bergerie.
Peuple de Dieu, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher où ils se trouvent. Donc, l'évangélisation à outrance s'impose. On ne doit pas être fatigué d'évangéliser. C'est pourquoi toute église du Seigneur doit faire de l'évangélisation la première activité. On doit taquer partout, rentrer dans les maquis, rentrer dans les bars, rentrer dans les cases de fétiches, rentrer dans les campements, rentrer dans les villages, rentrer dans les villes, dans les nations, les continents, pour aller annoncer la parole de Dieu aux brebis perdues de la maison d'Israël, pour qu'elles reviennent à leur créateur. Alléluia. Gloire à Jésus. Jean-Baptiste, tu peux venir, s'il te plaît. Amen. Gloire à Jésus. Donc, l'évangélisation à outrance, chaque chrétien dans son environnement, chaque chrétien, là où il se trouve, partout où il va, doit parler de Jésus. Amen. Doit parler afin que les brebis s'égarent. Tu leur parleras. Et qu'ils écoutent. Ou qu'ils n'écoutent pas. Tu leur diras. Ainsi parle. Le Seigneur. Oui. L'Éternel. Dis avec moi. Ainsi parle. Le Seigneur. L'Éternel. Brebis du Seigneur. Ainsi parle. Ton Rédempteur. Ton Dieu. C'est lui qui m'envoie avec toi. Pour te dire qu'il t'aime. Reviens à la maison. Voici comment tu dois parler. Alléluia. Dis à celui qui est égaré. Dis à celui qui ne connaît pas la vérité. Dis-lui, reviens à la maison. Ici, ce n'est pas ta maison. Dis, ton père t'appelle. Dis, parle avec des termes simples. Dis, papa t'appelle. Et dis, ce que tu fais là, ce n'est pas là ta place. Viens, retourne à la maison. Alléluia. Papa dit, malgré ce que tu as fait, malgré la vie que tu as menée, il dit, c'est pas grave. Lui, il est prêt à te pardonner, à effacer tes péchés. Mais il dit, reviens à la maison. Donc, prends ma mère alors. Évangélisation. Si tu parles comme ça avec amour, l'Esprit de Dieu va saisir la personne. C'est là qu'on commence à couler. Sans même que tu demandes, lui-même va commencer à te raconter sa vie. Parce que c'est l'amour que tu manifestes. Quand il dit, papa dit de venir, on retourne à la maison. C'est bon pour ça, bien fait. Il est rassuré. Il a la paix, à la joie, parce qu'il s'est dit, malgré ce que je suis dans mon trou là, Dieu qui est en haut là-bas s'est souvenu de moi. Il me connaît aussi. Non, je ne peux pas rater cette grâce. Je ne peux pas rejeter cette main tendue. Je m'en vais à la maison. Alléluia! Donc, amener toute âme à la repentance. Amener toute âme à la repentance. Alléluia. C'est ça notre rôle. Parce que c'est ça que le Seigneur nous envoie faire. Alléluia. C'est ça que le Seigneur nous envoie faire. Le ainsi parle l'Éternel. Il dit, va vers mon peuple et dis-le. Va vers mon peuple et parle. Une chose dans le ciel. Évangélisation doit être pour nous comme une respiration de tous les jours. Le nombre d'inspirations et d'inspirations qu'on fait, on ne peut pas compter par minute. C'est comme ça qu'on va évangéliser aussi. Sans s'arrêter, sans se fatiguer. Mon voisin du quartier, la personne qui est auprès de moi, quelqu'un que je rencontre dans la rue, tant que le Seigneur me permet, je parle de Jésus. Parce qu'il y a une chose dans le ciel. On n'est pas nombreux à rentrer là-bas.
Or, le Seigneur veut nous voir nombreux. Que le Père ne serait pas heureux de voir tous ses enfants en grand nombre assis autour de lui et puis il entend de leur donner des conseils. C'est ce que Dieu veut voir au dernier jour. Il veut nous voir autour de lui, en train de l'adorer, en train de le célébrer dans la joie, dans la paix au ciel. Mais combien rentrent? C'est pourquoi quand il y a une seule brebis qui dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, il décide de marcher conformément à la parole de Dieu, à suivre le Seigneur, il y a la joie dans le ciel. Soyons des instruments de joie entre les mains du Père. Soyons des personnes par qui la joie va rentrer dans le cœur du Seigneur Jésus. En faisant quoi? En évangélisant. En allant appeler les pécheurs à la repentance. Quand tu fais ça, la joie remplit le cœur du Père. Il est content et il est béni. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Soyons des instruments de joie. Ne soyons pas nous-mêmes des instruments de chagrin pour le Seigneur. C'est pourquoi il dit que tu es la lumière du monde. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi il dit que tu es le sel de la terre. En fait, tu es le sel du quartier, hein, ni le sel du carrefour. Le sel de la terre, dis avec moi, je suis. Je suis. Le sel de la terre. Le sel de la terre. Je suis. Je suis. La lumière du monde. La lumière du monde. Et je dois apporter cette lumière. Je dois apporter cette lumière. Jésus. Yeah. Regarde un peu, Dieu t'a mis comme ça, une paille de l'eau. Alors tu dis, oh. Il y a des sandales. Il y a un grand malheur. Malheur. Donc tu n'es pas n'importe qui. On dit tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qui se passe encore? Une chance dans le ciel. Donc le Seigneur te donne l'urgence d'aller ramener ses enfants à la maison. L'objectif, c'est de ramener ses enfants à la maison. Donc chacun de nous a cette mission-là. Petits et grands, jeunes et vieux, adultes, vieillards, nous tous, nous devons envahir les lieux. Nous devons aller. Même si tu as pu parler à une personne, tu as fait aussi. Pour qu'elle revienne à la maison. Parce que toi, tu es rentré. Tu es revenu à la maison. Tu allais sauter jusqu'à. Tu es revenu à la maison. Va chercher aussi ton frère. Va chercher ta soeur. Pour qu'elle revienne aussi à la maison. C'est ça que Dieu attend de toi. Alléluia. Parce qu'il y a une chance. N'oublie pas ça. À chaque fois que la paresse ou le zèle de l'évangile vient de quitter, dis il y a une chance dans le ciel. Les chiffres sont avarement. Pour peu, très peu sont ceux qui rentrent. Donc je dois m'activer. Et avec moi, je dois m'activer. Seigneur Jésus, donne-moi la force. Le zèle. Que donne l'évangile de paix. Est-ce que tu es prêt pour recevoir ce zèle? Amen. Est-ce que tu es